fait super longtemps que j'ai pas retourné de vidéo. J'ai reçu un paquet. Alors, je sais de qui ça vient. C'est un cadeau de Rachel. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, je pense que c'est un DP, vu la tête. Mais de toute façon, on m'avait prévenu que c'était un DP. Mais elle m'a pas dit ce que c'est. Elle m'a dit que c'était une surprise. Donc, je te remercie d'avance, Rachel, pour ce petit cadeau. Je l'ai reçu mercredi. On était le 12, je crois. Non, je sais plus. Et là, direct quand elle est finie, monsieur va la monter la vidéo et va la mettre en ligne. Et j'en ai une autre à tourner pour une collab de A Diamond Painting. Oh, mais mince! Oh, mais yo! J'arrive pas à l'ouvrir. Aïe, la boîte, elle a pris cher. Enfin, cher, oui et non. Alors, pourquoi j'étais plus là? Bah, comme je vous l'avais dit dans une des dernières vidéos, je n'ai plus l'envie pour l'instant de faire du diamond painting. Donc, du coup, j'ai rien d'autre à vous présenter que des diamond painting à faire en tout le moins en vidéo. Donc, du coup, bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'ai deux DP qui sont accrochés là à la porte de ma armoire, le Mario et puis le Zelda, qui sont en cours mais qui sont toujours pas faits. Et dans mon salon, j'ai encore quelques-uns que j'avais d'entamés. Et pareil, qui sont pas finis. Je n'arrive pas à retrouver cette passion, cette... Oh, désolé, j'ai roté. Cette envie de me remettre au DP. Franchement, je n'y arrive pas. Alors en plus, j'ai eu quelques petits soucis au ventre qui sont encore là aujourd'hui. J'ai super mal au bide. Donc voilà, j'ai quelques soucis de ventre. Et en plus, j'ai des soucis à la thyroïde. J'ai un gloître avec des nodules. Donc c'est des nodules, c'est comme des petits kystes sur la thyroïde. Et du coup, je dois voir un chirurgien dans 15 jours. À peine dans 15 jours. Pour voir ce qu'il en pense lui et tout. Et du coup, ça m'apporte plein de soucis, ces trucs de thyroïde. Ça m'apporte des douleurs au poignet. J'ai mangé de la betterave, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas été assassiner quelqu'un, j'ai mangé de la betterave. Ça m'apporte des douleurs dans les poignets. J'ai des douleurs dans les articulations des chevilles. Des fois, je vais avoir comme des sensations qu'on me pique. Comme s'il y avait des bestioles qui me piquaient. Mais non, en fait, il n'y a rien. C'est juste bah, tout ça qui joue. J'ai mal par moment là sous la mâchoire et tout. Et tout ça apparemment serait lié à la thyroïde et la prise de poids aussi. J'ai pris depuis le début de l'année 4 à 6 kilos. Et là, en une semaine, j'ai pris 2 kilos. Donc, des gros soucis. Donc, voilà, c'est peut-être ça aussi qui ne me motive pas trop. Donc du coup, j'espère que je vais vite retrouver la motivation. J'aimerais bien, mais c'est vrai que j'y arrive pas, quoi. Et puis le soir, je me pose pour regarder la télé avec mon homme dans le canapé. Et au bout de 10 minutes, je suis plus là. Et je fais ma nuit complète jusqu'au lendemain, 8h du matin, quoi. Des fois, il y a un réveil dans la nuit parce que la petite, en principe, à 5h du matin, se réveille. Donc on y va, on la rendort et tout ça, mais... C'est vrai que facilement je peux faire 9h, 9h30 du soir jusqu'à 8h le matin, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment une grosse fatigue accumulée. Alors, qu'est-ce donc ça? Ah bah je crois que ça va être surprise. Ah, je crois que c'est un mystère. Alors est-ce qu'on va voir ce que c'est? Ah mais si c'est un mystère, je vais pas savoir. Et ça va devoir attendre que je le fasse. Et c'est ça qui m'embêtait aussi. Je m'en suis doutée que c'était un DP. Et je me suis dit, eh mince, parce que voilà, j'ai plus l'envie d'en faire pour l'instant. S'il reste un certain temps placard, en plus, c'est un grand DP. Alors, comment qu'on va faire? Parce qu'en plus, pour vous montrer, ça va être impossible vu que je suis dans la chambre. Aïe. Alors il va falloir que j'aille sur la... que je me mette dans la salle à manger sur la table. Parce qu'il y a un problème, la colle est là et elle est non sur la toile. La toile elle ne colle pas. Donc il va falloir que... En plus que j'essaye de recoller tout comme il faut.
Ah, de ce côté-là, c'est bon. Donc, bah, personne ne saura, voilà. C'est un DP mystère. Donc, il faudrait que j'arrive à me poser à plat. Mais là, dans ma chambre, ça va être super compliqué. Alors, est-ce que sur la feuille, c'est des mystères aussi? Donc là, vous avez toutes les couleurs. Donc, il y a du bleu, du violet. En plus, elle a bien pris du rond. Il y a du rose, il y a du rouge. J'en sais rien du tout ce que ça peut être. Alors, je vais essayer de mon côté de le mettre sur le lit. Je vais essayer de l'ouvrir sur mon lit et d'essayer de voir ce que c'est. C'est un 70 par 50. Je l'ai ouvert en deux parties, donc déjà je vais essayer de tirer la partie du bas déjà pour essayer de l'aplatir. Essayer de voir si on voit quelque chose. Oh bah alors là. Et puis je sais pas s'il est en portrait ou s'il est en format paysage. Partie de décoller, ça me dit rien, j'arrive pas. Alors si j'arrive à défaire la partie haute, je vais peut-être pouvoir voir. Elle m'a dit prévois les mouchoirs, mais le problème c'est que elle m'a pas dit que c'est un mystère. Donc si c'est un mystère, tant que je l'ai pas fait, je vais pas prévoir les mouchoirs. Ça me paraît bizarre, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors attendez, il y a la lumière juste au-dessus. Ouais non, même à la lumière, j'arrive pas à voir. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. À mon avis, si elle a dit qu'il fallait prévoir les mouchoirs, je pense que c'est quelque chose qui touche peut-être à mes enfants. Regardez la première partie que j'ai défaite. Est-ce que dans la caméra on arrive à voir quelque chose? Peut-être une licorne, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc du coup, je vais essayer d'ouvrir de l'autre côté. Je vais le recoller après bien comme il faut parce que là sinon je vais mettre des bulles d'air, franchement ça va être galère. J'ai pas envie de changer de pièce, alors je suis désolée pour toi Rachel que je montre comme ça, je le mets pas, c'est sûr que je le mets pas en valeur. Mais le problème c'est que il y a les loulous de l'autre côté et ils dorment et j'ai pas envie d'aller faire du bruit de l'autre côté. Et du coup... Puis là, je voulais tourner maintenant parce que avant justement de me poser, là, il est déjà presque 9h. Je voulais tourner vraiment tout de suite pour le faire parce que ça fait plusieurs jours que je dis à Rachel depuis mercredi que je vais tourner. Et avec les rendez-vous et tout ça, bah, j'ai pas le temps. Donc franchement, je cours après les rendez-vous, je cours après le temps. J'arrive pas à voir. Je sais pas. Bah si, en fait, je sais. Je crois savoir. Je crois que c'est ma fille. Et ça, c'est une photo de ma fille qui est juste là avec sa veste Olaf. Je crois que c'est ça. Ah, tu l'as eu où cette photo? Tu l'as eu? Et de l'autre côté, du coup, alors j'avais l'impression de voir une licorne. Mais alors, je sais pas. Rachel, dis-moi si c'est ça. Mais en fait, merci beaucoup, franchement. C'est trop, trop génial. C'est trop, trop génial. En plus, en mystère comme ça. Alors, je crois deviner que je pense que c'est elle. Je pense que c'est une photo. Moi, j'ai pas mon téléphone. Si, je l'ai. Peut-être une photo que j'avais passée en story.
ou qui était sur mon Facebook. Ou alors elle l'a eu par monsieur. Par monsieur, peut-être par monsieur. Hein, Dédé? Tu l'as. C'est toi qui as donné la photo à Rachel? Quelle photo? La photo de la petite avec sa veste Ola. Tu l'as pas, toi, la photo, pour que je la montre en vidéo? Parce que moi, le temps que je la retrouve dans mes affaires... Attends, faut que je trouve mon téléphone. Désolée, mais franchement, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Le seul problème, c'est vraiment... Ce qui m'embête, c'est dans combien de temps je vais le faire, quoi. J'en ai tellement plein aussi à faire. Et j'y arrive pas à m'y mettre, quoi. C'est... Limite, Rachel aurait dû la faire et me l'envoyer toute faite. Lol. Non, je rigole, je plaisante. Alors, je vais essayer de faire sonner. Je vais faire sonner monsieur. Alors, désolé, c'est vraiment une vidéo dans son jus. Hein. Non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ah, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Lui, il va voir la photo. Après là il faut que je me mette de l'autre côté, je vais me mettre dans le salon vers la télé et puis je vais bien la remettre à plat et avec monsieur on va bien la bien remettre la bande. Est-ce que tu as cette photo? Parce que moi je ne l'ai pas. Enfin, si je la cherche dans 2 heures je l'aurai peut-être. C'était l'année dernière de toute façon. Et ma poupette a eu 20 mois le 9. Ça passe trop vite. On cherche. Ah, je crois qu'il y avait une licorne derrière. Alors monsieur là, il a dit que c'est celle-là. Voilà, ma poupette. Alors pourtant là j'ai l'impression, ou alors elle a fait modifier le fond, parce que là, Rachel, si ça te dérange pas, quand tu vois la vidéo, si tu peux m'envoyer la photo que t'as fait faire du coup ou pas, c'est toi qui vois, mais là du coup, là j'ai l'impression qu'il y a une tête de licorne qui a été rajoutée là. Donc je pense qu'elle a fait modifier la photo. Donc bah on saura quand on la fera, quoi, voilà. À moins que Rachel, tu sais, ok pour me l'envoyer. En tout cas, merci beaucoup, franchement. Ça me touche beaucoup, ça va peut-être me redonner la motivation. J'aimerais bien, franchement, c'est vrai que... Après que j'ai vu le chirurgien, je sais pas s'il va me donner un traitement, ce qui va être dit, ce qui va être fait, mais peut-être que ça va me rebooster, quoi. Ce qui m'embête, c'est que bah ouais, dès que j'ai un temps libre et que je me pose, bah j'ai tendance à m'endormir. Donc voilà. Donc du coup, je suis assez fatiguée et ben j'arrive pas à me remettre au diamond painting. Les temps libres, ben je me repose plutôt que de faire ça. Donc voilà, Rachel, je te fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous et j'espère essayer de revenir rapidement et de vous refaire des choses rapidement, mais c'est moins sûr. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous et merci mille fois, Rachel. Putain, franchement. Bien aidé, là. Oh là là. Non, il faut qu'ils remettent le papier comme il faut. On va les mettre à plat. Bisous à tous !